Les plasticiens volants se préparent au grand déballage. Dans ces sacs sont rangées d'étranges créatures qui, lassées d'être confinées depuis des mois, décident de se faire la belle. On les retrouvera aux quatre coins de Groyer où le public pourra les admirer. Ce rendez-vous sera un moyen de montrer que la culture doit retrouver sa place malgré le contexte sanitaire. On s'adapte à la situation. On peut aussi continuer à rêver, à créer dans la rue, dans l'espace public. On va y convier des organisateurs, des gens des municipalités qui s'occupent de la culture pour leur montrer que c'est possible. On peut encore, tout en étant Covid compatible, on peut encore faire quelque chose dans l'espace public. 25 gonflables sortiront des ateliers pour se disperser dans la ville. Oh, il va rester comme ça, je pense. Ah, il est bien. Une première depuis le mois de mars pour les plasticiens volants qui ont l'habitude de sillonner le monde avec leurs spectacles. Alors la compagnie attend ce rendez-vous avec impatience. On retourne à retrouver le contact avec les gens dans la rue, leur guetter l'étincelle dans l'œil. Et puis nous, notre excitation évidemment à le faire parce que c'est pas par hasard qu'on fait ce métier-là, c'est parce qu'on aime ça évidemment, on aime ce moment de magie quoi, à partager. Reste que la situation financière est critique et qu'aucun spectacle n'est pour le moment prévu l'an prochain. Les plasticiens volants survivent grâce à des aides d'urgence et à un prêt garanti par l'État, une situation qui ne peut durer éternellement. Les perspectives pour 2021 sont plus compliquées parce que là, à un moment, il va falloir rembourser l'emprunt. S'il n'y a pas d'activité pour nous permettre d'avancer, ça va... On est quand même inquiet pour l'année 2021. 25 intermittents pourraient se retrouver en danger si l'activité ne reprenait pas rapidement.